Bonjour tout le monde! Yeppa! Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un sujet en fait dont j'ai entendu parler et voilà qui a pu être le malheur de certaines mamans. Voilà, donc le risque il est attenant en fait à la dimension de votre matelas, tout simplement. Soyez précautionneuse et adaptez bien voilà, le lit, la taille du matelas au lit que vous avez. Évitez les écartements entre le matelas et les barreaux, puisque voilà, il y a eu des cas de figure où des bébés se sont retrouvés la tête coincée entre l'espace vide du matelas et le barreau, et ce sont des bébés qui sont décédés. Donc voilà. Attention, les bonnes pratiques, gérer le risque autour de bébé. Et pour ça, bah voilà, ça paraît évident, mais voilà, il y a des fois où dans la précipitation, on prend une taille de matelas, on ne le retourne pas parce qu'on a mille choses à faire. Et voilà, on sous-estime le temps, et pourtant, voilà, ce temps aurait pu éviter bien des désagréments. Donc n'hésitez pas à ramener votre matelas si vous jugez que la taille ne correspond pas au lit et qu'il y a un écart entre le matelas et les barreaux, et que ben, votre petit bout pourra y mettre la tête et malheureusement s'étouffer. Donc voilà, moi je vous dis yépa, faites attention aux risques autour de votre bébé et anticipez le danger. Et ne croyez pas toutes les marques et tout le matériel autour de bébé, parce que y a énormément de préconisations qui, à mon sens, manquent. Le dernier sujet dont j'avais parlé, c'était les tours de lit pour bébé. Alors c'est magnifique, c'est très beau, c'est très cher, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que bah, ça coupe l'air de bébé, tout simplement, donc, et ça augmente le risque de mort subite du nourrisson. Donc voilà pour le petit conseil. Et si ça peut vous servir, et voire même voilà, vous soulager un peu, parce qu'on sait qu'une maman dormira beaucoup mieux la nuit si elle sait qu'autour du bébé, ben, il n'y a pas de risque. Donc là, je dirais que ça fait presque partie en fait des risques à gérer. Mais voilà, peut-être que votre matelas est bien adapté et je vous dis tant mieux. Allez, à la prochaine. Merci. Yepa!